J'ai dit laisse-moi faire, je veux juste essayer. J'ai un objectif, un rêve, faire le Dakar dans le royaume. J'aime vraiment ça, c'est vraiment incroyable, enrichissant parce que vous parlez à des gens de partout dans le monde. Partons à la rencontre de Machaël et Dania, deux Saoudiennes qui ont le sport automobile dans le sang. Quand on était jeunes, on avait des quads, on avait l'habitude d'aller rouler au bord des routes. On est dans les dunes, on s'amusait vraiment bien. On sent que les choses bougent, tout le monde veut aller de l'avant. Je ne me suis jamais considéré comme une minorité en matière de sport mécanique. Je fais de la course. Il n'y a pas vraiment de distinction entre nous, car avec le sport auto, on a les mêmes machines. La fédération saoudienne m'a appelé, ils m'ont dit le rallye Dakar est en cours d'arrivée en Arabie Saoudite, on veut encourager les femmes à participer. Est-ce que vous voulez venir faire une formation de 2 jours? Et c'est ce qu'elles ont fait, un avant-goût de ce qu'est le rallye raid avec l'ancienne concurrente Isabelle Pâtissier, un grand pas en avant pour elle. Il s'agit simplement d'être organisé, on avait besoin d'une formation. Il a fallu ensuite trouver les sponsors, les bons sponsors qui correspondent aux objectifs, puis construire avec eux. C'est vraiment difficile à imaginer comment ça va se passer, est-ce qu'on va bien dormir, on va être dans le désert pendant 2 semaines, on doit accepter en y allant. Tout le monde essaie de faire en sorte que ça se passe bien pour nous, tout le monde essaie de nous soutenir autant que possible. Le plus important n'est pas comment on le fait, mais surtout qu'on a choisi de le faire. Et peut-être qu'en 2022, on trouvera plus de Saoudiennes au départ, on verra.